Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le sermon parle des mérites des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La lutte qu'ils ont menée avec le prophète, l'apport qu'ils ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'expansion de l'islam. Le sermon nous rappelle que vis-à-vis d'eux, nous leur devons quelque chose, nous leur sommes redevables. C'est quoi cette reconnaissance-là? On a reconnaissance de ce qu'ils ont fait vis-à-vis du professeur Lassalam pour que la région nous parvienne aujourd'hui. Le contenu du sermon, il est bon, il est très bon, je dirais, puisqu'il nous exerce à cela, mais il faut qu'on aille au-delà du sermon, cultiver la tolérance entre nous musulmans. Parce que le Coran dit, en un de ses versets, que les musulmans, ils sont frères. Pourquoi est-ce qu'ils sont frères? Parce qu'ils partagent trois caractéristiques très importantes. Ils reconnaissent tous Mohammed comme messager, ils font tous la même prière et ils se dirigent tous vers la même direction qui est la Mecque. Donc, au vu de ces trois caractéristiques qu'ils partagent, ils se devaient d'être tolérants vis-à-vis les uns vis-à-vis des autres. Et arrêter de. Il ne faudrait pas que la religion nous pousse à nous entretuer pour des futilités. Et la religion nous recommande vis-à-vis de l'autre qui n'est pas musulman de préserver sa vie, à plus forte raison entre nous qui sommes tous musulmans, parce que nous partageons les mêmes caractéristiques. Et donc, le prophète, ce qu'il a fait, l'apport des compagnons, reconnaissons-le. Maintenant, pour ces autres-là, peut-être puisque entre nous, on ne peut jamais être sur le même pied d'égalité, mais néanmoins, la tolérance, qu'est-ce que ça de mise. Donc, c'est ce que nous exhortons. Et faire preuve de grandes réflexions vis-à-vis de ce qui se passe. Parce que n'oublions pas que le monde, il y a des enjeux politiques, des enjeux stratégiques. Et il ne faudrait pas qu'on nous manipule, nous opposer les uns aux autres. Et ce n'est pas fait pour nous arranger. Le musulman, vis-à-vis de l'autre, c'est son frère. Et il se doit de préserver la vie de son frère musulman, partout où il est. Donc on lui demande vis-à-vis de l'autre qui n'est pas musulman, à plus forte raison, vis-à-vis de son frère. Donc c'est la prière qu'on fait. Donc face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous comprenions le sens du message du Coran et le sens du message de ce que les hadiths nous véhiculent. Comportement adopté vis-à-vis de nos frères en islam et vis-à-vis de nos frères qui ne sont pas de l'islam aussi. Parce qu'après tout, ce sont nos frères. Ils sont nos frères dans l'humanité. Ceux-là, ils sont frères. Nous sommes frères dans la foi. Ces autres, nous sommes frères. C'est des hommes comme nous.